On va faire quoi, la bibliothèque? Eh ben, on va aller interroger la bibliothécaire, les usagers si on en trouve, et aussi les gens qui sont autour de la bibliothèque et qui éventuellement ne vont pas à la bibliothèque pour les interroger pourquoi ils n'y vont pas et qu'est-ce qu'ils pourraient y chercher si jamais il y avait davantage de services ou d'offres de produits culturels. J'ai une dame qui habite pas loin, elle est bien, et puis elle va prendre peut-être que 2-3 livres. Elle se dit, ah, oh, comme ça je peux revenir et discuter avec toi. Mmh. Parce que ça lui fait une sortie aussi. Oui. Voilà, donc il cherche aussi le contact. Si on avait après tous les trucs de la bibliothèque, ici on mettrait des jeux vidéo là. Mais c'est plus une bibliothèque après. C'est une jeu vidéothèque. Mais ouais. Non, c'est une jeu vidéothèque, voilà. Mais faut quand même qu'il y ait des livres. Faut quand même qu'il y ait des livres. Est-ce que vous pensez que la bibliothèque c'est avant tout l'accès aux livres ou est-ce que c'est l'accès au savoir? C'est l'accès au savoir et à la culture. D'accord. Du coup, le livre ne doit pas être un obstacle Absolument pas. Ok. Absolument pas. Il faut qu'on puisse toucher tout le monde et tout... intéresser tout le monde. J'aime bien lire, alors je passe beaucoup de temps ici. C'est un petit peu un endroit qui m'inspire et qui me déstresse. Je peux y aller juste après l'école, ça se situe tout près. Et c'est vraiment génial. Alors, pour moi, une bibliothèque, ça doit être un lieu d'échange, de partage, mais toujours lié au livre. Parce que c'est primordial, le livre. C'est le but pour moi. C'est qu'on ne peut pas apprendre sans livre. Pour moi, non. D'accord. Parce que ce que vous entendez à la télévision, vous ne le captez pas. Vous ne l'imprimez pas de la même façon que lorsque vous voyez les mots écrits. Jeudi soir... Ça peut être une vingtaine d'adultes, on va dire. Ça dépend, 15-20. Un peu moins en été, mais ouais. Sinon, oui. 15-20 adultes qui viennent... Sur les deux heures, sur le créneau sur de deux chronos, heures. Ouais. Ils viennent chercher un livre, puis ils se confient aussi un peu sur ce qu'ils cherchent, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils font. Je rencontre des gens du village que je connais un petit peu, je me dis... Et puis en les voyant, je me dis, mince, je pensais pas que cette dame... aimer la lecture, parce qu'elle n'a pas fait d'études, par exemple, parce que, voilà. Donc, travaille en usine, donc je me suis dit, c'est des a priori, c'est nul, hein, je sais, mais... Et du coup, ce serait quoi, quelqu'un qui aime lire? Quelqu'un qui a fait des études, qui a une certaine culture. On a choisi des livres, des DVD, des CD, qui seront mis à la disposition de Berenthal par la bibliothèque, la médiathèque de Beach. C'est un petit peu au feeling, comme je disais avant. Je vois un petit peu ce qui est emprunté par les enfants et par les adultes et je vais un petit peu dans leur sens et en y ajoutant chaque fois un petit peu des nouveautés pour qu'il y ait une curiosité vers autre chose. Mais d'habitude, je prends quelque chose, je vois à peu près vers quoi ils sont tournés. C'est aussi un petit peu orienté par ce qui me plaît. Mais j'essaye quand même d'être ouvert à tout. Déjà, il y a un choix d'une personne derrière, alors avec beaucoup d'objectivité, un peu de subjectivité aussi. Et puis, il y a toute la mécanique. Après, effectivement, donc, il faut attendre la livraison, il y a le pointage. On le met d'abord sur un rayonnage en attente et puis on le traite physiquement. Pratiquement tout m'a étonné, surtout le côté qu'on ne connaît pas quand on est usager, hein, toute la masse de travail qu'il y a derrière. Enfin, jusqu'à ce qu'un document arrive en rayon, y a beaucoup de choses. Le conseil, il se fait quotidiennement. Bon, après, c'est un peu en fonction des lecteurs qui viennent et qui sont demandeurs ou pas. Il y a des jours un peu plus tranquilles, je dirais, que d'autres. Mais moi, ce côté, j'aime bien. C'est pas toujours évident, hein. C'est pas le côté le plus facile parce qu'il y a toujours une part de subjectivité, hein. On attend à peu près une dizaine de personnes, bibliothécaires de la médiathèque de Beach ou des environs. Et ensemble, on va essayer de
travailler à la fois sur qu'est-ce qu'un usager, qu'est-ce qu'un non-usager, mais aussi sur leur pratique, sur leur vision, leur métier. Quelle est la mission de la bibliothèque en fait? Oui. Peut-être commencer par ça quand on veut définir un projet. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de choses qui ne se rapportent pas forcément au livre objet, qui se rapportent à la connaissance, au savoir, et qu'on occulte. Oui. Parce qu'on nous a appris que c'est le bouquin. Enfin, tout est fait pour que le public emprunte peut-être plus facilement aussi, mais pour que le public emprunte en fait. C'est vrai que c'est les collections. Et on a souvent du mal à s'en dégager. Oui. Et à un moment, on ne sait plus trop quelles sont ses missions. Peut-être qu'il faut travailler sur les missions à la base. C'est quoi la mission de l'éducation publique en fait? Le métier n'est plus du tout le même, quoi. Oui. On faisait des tâches avant, comme cataloguer, ça prenait des plombes. Aujourd'hui, ça prend beaucoup moins. Je veux dire, on porte notre énergie sur d'autres choses plus intéressantes, je trouve, moi, en tout cas. Si la médiathèque était un lieu de ressources pour des balades. Et si on pouvait emprunter des outils. Quand une personne vient me voir, maintenant ça me permet, disons, de mieux appréhender la chose, de me dire que voilà, en fait, si la personne elle me demande, c'est parce qu'elle attend quelque chose de moi. Et cette formation-là, ça m'a permis de mettre des mots sur ces attentes-là, des mots que j'avais pas forcément. Aussi là, pour comme on disait pendant la formation. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment, vraiment ce qui était important pour moi, c'est rendre accessible en fait aux gens la culture, que ce soit des films, que ce soit des bouquins, que ce soit divers types de documents. Un peu comme une sorte de. Enfin, un rôle de médiation, quoi, si tu veux. Imprimer sur les papiers qui emballent les baguettes de pain. Une micro-nouvelle ou le début d'une nouvelle avec une publicité des horaires de la bibliothèque en disant ben voilà, venez lire la suite à la bibliothèque. Donc là, on est dans la communication et ça permettrait d'attirer justement des personnes qui n'ont pas qui n'auraient pas forcément le réflexe de venir. Commander via donc, le site, le portail des documents. Et donc on déposerait ces box de documents en fait dans certains lieux, chez des commerçants notamment.